Bonsoir mes chers frères et sœurs. Rebonsoir. Je vous aime tout simplement, n'est-ce pas? Vous me voyez très bien. Voilà. Ici, moi, ce que je suis, par la grâce du Seigneur. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Amen. Souvenez-vous, je n'ai jamais eu rien contre les femmes. Parce que j'ai une femme merveilleuse que Dieu m'a donnée. Amen. D'accord, je n'ai rien contre les femmes. Je suis obligé seulement de prêcher ce qu'il m'a demandé de prêcher. Parce que je vais lui rendre des comptes. Il faut que j'accomplisse ma course comme il a dit que je prêche. Il a dit prêche ma parole, j'habiterai dans le cœur. Alors mon frère Teba, lorsque nous étions au baptême, je crois que on a pris une bonne pause, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'examen? On ne va plus parler la femme de nous. Lorsque nous étions au baptême, nous avons vu, pendant que nous parlions à ces garçons-là qui fumaient le chanvre indien là-bas, j'ai remarqué une croix là-bas. J'ai remarqué une croix quelque part. Je me suis dit, peut-être qu'on a enterré quelqu'un là-bas. Vous avez dit que c'était une certaine religion. Je veux que nous touchions ce domaine-là, particulièrement dans votre pays. Mm-hmm. Approche, mon cher. Bon, la religion Ngunza. On l'appelle Ngunza. Oui. Je n'ai pas trop le sens de leur doctrine, mais de façon sommaire, c'est une religion, les religions négro-africaines. Mais pourquoi ils ont la croix? Parce qu'ils se collent un petit peu au christianisme. Ils utilisent la Bible aussi. Oui. Ils prennent ce qui les arrange. Mais le Kamba, c'est pour qui? C'est pour eux, non? Le Kibangi. Ah, le Kibangi, c'est un Kamba. Ah, d'accord. Donc, le Ngunza, c'est une religion. En fait, se colle au christianisme tout en gardant le côté du totémisme africain. Oui. Donc tu peux avoir ces totems, ils sont spécialisés dans la délivrance des problèmes mystiques, hommes de nuit, femmes de nuit. Donc c'est le marabout converti à les surtout les fous, hein, on les consulte plus pour les fous, ceux qui perdent la tête là et tout ça. Voilà. L'une des choses qui m'a marqué pendant que nous parlions à ce garçon qui fumait le chanvre, il a dit il y a un marabout, il y a un homme qui a le puissance à la frontière. Pastra, oui. Oui. Mm. Et dont le pasteur vient les pasteurs vont pour... là-bas pour chercher la puissance et accomplir des miracles. Mais ça c'est je dirais que c'est le lot de tous les faux pasteurs, hein, parce qu'après d'avoir commencé, il faut bien marquer son ministère par quelques miracles. Donc ils vont chercher. Des petits esprits qui peuvent faire tomber la moitié de l'église quand ils lèvent la main et tout le monde tombe. Et là, vous avez, et il y en a plusieurs qui y vont là-bas. Ah oui. Et je veux que vous nous racontez un peu toutes ces choses-là. Vous êtes là. Et je crois que l'un de vous racontait le fait que d'autres temps, il y a d'autres groupes là. Lorsque on vient, vous avez l'époque où on vous donne d'abord la bière. Voilà, ça c'est. Comment? L'Ouzolo, on les appelle Asla OPH. Asla. Ah, OPH. Association Luzolo Amour. Luzolo en français veut dire amour. Oui, Luzolo. Ouais, Luzolo Amour. Donc le président fondateur. Le président fondateur, c'est un vieux dit Émile, une fois si tu crois vous, je pense qu'il devrait être ou il doit être dans la soixantaine, sinon plus, oui. Qui s'autoproclame le Dieu vivant créateur du ciel et de la terre. Ah ben lui s'est dit qu'il est Dieu. Oui. Donc là, c'est ça leur doctrine. Mais ce qui est quand même compliqué, c'est que Dieu a pu marier ses propres créatures et il a eu des enfants au moins avec 3 ou 4 femmes. Oui. Dieu a couché avec sa propre créature, il a eu des enfants humains. Et ces enfants sont des diaisons ou c'est quoi là? Ils sont là mortels comme nous. Non mais c'est et il y en a plusieurs encore, il y en a combien les athées par exemple? Ah, il y en a des millions. Dans ce pays? Oui, oui. Wow. Parmi les religions négro-africaines, il n'y a pas plus que les Zoulous parce qu'ils sont même à l'échelle internationale. Wow. On en a des millions. Ils sont en Angola, au Cabinda, ils sont là aussi là-bas. Ils sont en France, ils sont en Angleterre, ils sont. Le nom c'est quoi pour qu'on puisse faire des résultats? Le nom c'est Asla, A-S-L-A-O-P-H. Oui, Asla. O-P-H. Ou bien vous tapez seulement 10 et 1000, le foie c'est qui quoi? Le foie. Petit quoi, vous taperez seulement ça, vous aurez des prédications, mais il raconte mais des conneries du genre, quand il est né, il est né sans placement, on ne sait pas comment il s'est formé. C'est lui qui dit ça. Oui, l'étoile de David, on ne connaît même pas ce que c'est. Donc, l'étoile que. Les mages. Voilà, que les mages suivaient là, est apparu au Congo ici, quelque part là-bas, à. Comment on appelle la montagne, hein? Mont Karita. Il dit encore que.
lui. Ah, ça peut justifier le fait qu'il est miraculeux, quoi. Voilà. Mmh. Oui, mais il s'est passé un phénomène météorique aussi, démontré même scientifiquement. Oui. Hein, vrai. Oui. Et donc, derrière ça, il dit que c'est l'étoile de David qui est venue. Ils disent que la nouvelle Jérusalem, oui. c'est à Mont-Carré-Carré, là-bas, à Kibouti, le village natal d'Isa. Oui. Et puis, le paradis aussi, c'est là-bas. Ah. Je ne sais pas si ça se fera ou ça y est, mais le paradis est là-bas. Le jugement dernier se passera aussi là-bas. Donc, il va jouer les gens là-bas. Voilà. Tout le monde va sortir de la France. Et... Il dit, comment Dieu va prendre le bâton de Moïse. Il est contradictoire. Hein. Il dit que Moïse lui avait laissé son bâton de commandement. Oui. Et donc, lui, son ministère, il se base sur Jean, c'est Jean 16, je pense, qui dit quand l'esprit. Il veut conduire, conduire toute la vérité. Voilà, donc lui, il s'auto-proclame l'esprit de vérité. Il dit, c'est moi l'esprit de vérité. Donc, et donc moi, je suis venu vous annoncer les divinités, les vérités divines de l'œuvre. Voilà. Ça, il va se battre avec Mohamed. Hein. Il est venu accomplir la mission secrète de Jésus-Christ, tu vois. Oui. Donc les gens se disent, bon, Jésus n'a pas achevé. Et il y a eu même un moment où les gens ont voulu le tuer. Pareil, on a tiré. Il a eu une balle, mais il n'est pas mort. Et donc, ses adeptes disent que son sang a coulé encore pour le salut de l'humanité. Donc, le sang de Jésus n'était pas sur lui. Devant la femme, je passe mon temps devant nous. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Elle dit, non. Attends, il y a une télévision. Oui, oui, il y a une télévision. Il présente toute cette prédication. Ils sont nombreux, tu vas pas en revenir. Tu vas te dire, mais les gens cherchent quoi? Ils sont nombreux. Ici à Pointe-Noire, en termes de si je peux les appeler comme ça, il n'y a pas une qui dépasse le monsieur-là en termes de. Donc c'est dit qu'il est vraiment de l'esprit. Tous les grands cadres de nos sociétés, la place en se trouve là-bas. Et là, ils prospèrent, ils réussissent. Tranquillement. Mais moi, j'ai eu la grâce de passer en mer. Une fois, j'ai passé nuit avec. Un gars de Luzolo. Oui. De un, ce que j'ai remarqué pendant tout mon séjour, ils ont deux drapelés. Jaune et rouge. Avant de dormir, il y avait deux gars de Luzolo dans ma cabine. Oui. Donc, quand ils mettent des drapelés là, ils appellent ça le bâton de commandement. Oui. Ils ont une marinière avec l'effigie de leur prophète. Oui. Cette marinière est. De leur Dieu ou de leur prophète, finalement. De leur. Il est Dieu, prophète, messie, messager. Il est tout à la fois. Oui. Leur marinière là, tu ne peux pas. Il peut pas enlever ça, même quand il dort, oui. il dort avec, il se réveille avec, même si ça s'est déchiré, oui. même quand ils mettent leur communauté à la marinière, oui. mais ce que j'ai trouvé, c'est que moi je l'ai sous-estimé un peu, je pensais que c'était un groupe genre pas organisé, oui. et puis je suis tombé sur, ils ont un manuel, oui. chez eux quand tu rentres, tu es un membre, oui. et pour qu'on te confirme le salut, tu payes 200 000 francs. Oui. Donc pourquoi, là, pourquoi cette somme-là? On va t'écrire, on écrit ton nom sur le livre de vie. Pardon? Tu donnes 200 000 15, il écrit... 200 000 15 francs CFA. Voilà, 200 000 15 francs CFA. Il écrit ton nom sur leur, dans le livre de vie de leur Dieu. Et là, tu me dis que les intellectuels de ce pays, les gouvernants de ce pays, se trouvent dans cette religion. Oui, même le président le consulte quelquefois. Faisons le consulte pour les oracles. Oui. Toutes les grandes sociétés de la place, parce que chez nous, les grandes sociétés pétrolières, Total, Eni, Schlumberger, tout ça, tous les grands oui. sont des hommes. Ils ont leur nom. Chefs de service, chefs de département, chefs de division, ils sont là. Donc, moi, je pense que, c'est la, à part la face cassée, oui. ils savent ce qu'il y a. Ah, ils savent ce qu'il y a derrière. Oui. Voilà. Mais, et parmi vous, ici, personne n'a jamais eu à côtoyer, à être d'abord de sortir. On rentre sorti, non. Moi, je les ai côtoyés presque, je les connais très bien, donc je connais très bien leur doctrine, je les connais très bien. Moi, j'avais été juste écouté leur témoignage avec une qui disait que j'étais malade, et donc leur personne a demandé d'écrire une lettre. Oui. Et donc, il fallait que je pose cette lettre-là dans les toilettes. Dans les toilettes? Oui. Dans ta toilette à elle? Dans le cabinet. Oui. Donc, et donc, il y a vers les. Donc, il y avait une heure comme 23 heures, donc minuit, une heure. Et du coup, elle doit repartir, voir si elle a la réponse. Et donc, quand elle a la réponse, quand elle jette, c'est comme des toilettes anciennes. Là. Les anciennes toilettes. Oui. Oui. C'est-à-dire les toilettes traditionnelles où on creuse. Traditionnelles. Oui. Donc, quand elle jette, à minuit, quelques heures comme ça. Attends, elle jette à l'intérieur des toilettes. Oui. C'est comme si elle avait dit, elle avait mis ça dans les toilettes. Je me dis, est-ce que dedans, où non, elle a mis ça dans le trou. C'est comme une caisse, quoi. Oui. Et puis, vers minuit, elle rejette.
elle a la réponse de ce qu'elle a, elle a demandé. Elle trouve une autre lettre. Oh, wow. Oui, parce qu'elle a écrit ce qu'elle son fait vœu, du mal, voilà, son vœu. Et quand elle reçoit la réponse, elle dit, je suis guérie, là même mes portes sont ouvertes, vraiment, que notre maître, parce qu'elle dit souvent la grand-mère. Ah, on appelle grand-maître. Grand-maître. Oui. Grand-maître. Alors le Seigneur dit qu'on appelle personne sur la terre son maître. À part la facette là, ils ont aussi, si tu as des problèmes, je laisse d'abord le côté manuel de Jésus. Oui. Donc si ça marche pas avec le manuel là, oui. Si ça marche pas avec les anciens, si tu as une urgence, oui. Tu dois adresser une lettre à Dieu en question. Oui. Donc, comme le Dieu, c'est trop fort. Voilà, verbalement. Notre frère, c'est pas tant. Donc je suis d'une urgence urgente. J'ai dit, ah, monsieur Dieu, les protocoles là, les lignes là, je ne peux pas respecter tout ça. Mais quand si je suis dans une prison, peux-tu venir en aide là? Voilà. Et comment on fait pour que lui parvienne la lettre? Ils ont une boîte à lettres. Oui. Et donc, quand il y a un autre courrier, ils prennent et oui. Ils envoient à Dieu, à leur Dieu, au village là-bas. Oui, à la montagne là, où il y a Jérusalem. Oui, oui. Leur Jérusalem. Oui. Et donc, leur Dieu prend le temps de lire chaque lettre et répondre. Il ne répond pas en termes de réalisation, est-ce que tu veux? Oui. Il te donne des instructions à suivre. Oui. Non, mais, il y a quelque chose, avant qu'on avance dans ce cas-là, il y a un de ces garçons en Sibérie, il dit il est Jésus. Il y a un autre en Australie, il écrit avec la main gauche au tableau. Il dit qu'il est Jésus. Il regrette que depuis 2000 ans, il a quitté la télé, les gens ne le reconnaissent pas. Il y a Kakou Philippe en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est le Messie pour le enfant, la lumière du monde, car en dehors de lui, on ne peut pas sauver. Il y a Banamé, Banamé, c'est ça que tu fais, une femme. Au Bénin, il dit qu'elle est Dieu le Père, le Créateur du Seigneur, celui qui a créé l'Église catholique. En tout cas, le même Dieu le Père, c'est tout ici, là, est dans le Dieu. Et pire encore, chez nous, il y a un autre mouvement. Oui. Eux aussi, ils ont Dieu. Eux, ils ont quoi? C'est le Kamba, là, ils ont quoi? C'est Jésus en personne, non? Simon Kimbaou. Ils ont fait de lui Dieu. Oui. Donc, ils se partagent, donc. Il y a soit Guy Emile qui est Dieu ou Simon Kimbaou qui est Dieu. Guy Emile. Guy Emile. Et vous rappelez Simon Kimbaou. Non, Guy Emile, c'est le gars de monsieur Nzolo là. Guy Emile quoi? Loufoua, c'est dit quoi? Ça veut dire Guy Emile, la mort, arrête-toi là. En français. Loufoua. C'est dit quoi? Comment Loufoua s'écrit? Loufoua, L-O-F-O-U-A. Loufoua, ça veut dire. En français, ça veut dire Loufoua, ça veut dire mort. Mort. C'est qui veut dire quoi? Donc avec Guy Emile, la mort s'arrête là. Voilà. Bon, maintenant, il y a ces adeptes qui ne meurent pas. Si, ils meurent en grande quantité même. Comme tout le monde. Eh bien, il arrête la mort. Comment est-ce qu'il a dit, enfin, en résumé, sa bon, but, son, la, sa bulle, sa bulle. Son histoire fait qu'avant lui, tout ce que sa maman avait comme enfant, il le perdait. Donc, c'est chez lui que. La mort s'est arrêtée. Sa mort s'est arrêtée. Bon, quel est le but de sa mission? Il dit son bon, le but de sa mission. Le but de sa mission, c'est revendiquer que Dieu est noir, Jésus est africain. Oui, on dit oui, mais ça fait quoi? Et puis, à part ça, le christianisme européen et tout ce qu'on nous a emmené, il faut. Donc, il faut qu'on s'arrête avec ce qu'il dit. Oui. Donc, il a partitionné la Bible, il y a certaines choses qu'il prend, d'autres qu'il ne prend pas. Oui. Et voilà. Ok. Il faut invoquer à son nom, baptiser à son nom. Bizarrement, on a il priait à son nom et au nom de Jésus. C'est une cacophonie bien organisée. Ce qui m'étonne, c'est les intellectuels qui y sont. Oui. Et quelle est la pensée des pasteurs d'ici? Bon. Par rapport au vis-à-vis. La petite parenthèse, même Frère Julien, si malgré la prière que nous avons ici, si nous avons, par la grâce de Dieu, puis qu'on est Frère Julien, avec le petit peu que Dieu a permis que nous puissions être en contact. Pour ma part, hein, je n'engage pas tous les autres. Oui. Pour ma part, depuis que je suis là, je n'ai jamais croisé un vrai pasteur. C'est terrible. Pour ma part. C'est terrible. Oui. Voilà, maintenant, partout, pendant que nous entendions des bruits et oui. Des bruits, oui. Quels sont ces pasteurs que vous... Je crois que, madame, raconte, avançons ici. Quels sont vos pasteurs pour... Comment vous... La question même me dépasse. Comment vous faites dans ce pays-ci pour vous en sortir avec toute la sorcellerie qui est tout autour et les magies noires, tout autour, les pasteurs qui passent consacrés aux sirènes des eaux, tout autour à côté de vous pendant que votre pique-nique avec les femmes qui marchent à fête nuit et autres là. Comment vous faites tout cela? Comment avec les pasteurs? On a entendu dire que les pasteurs ici sont allés prendre le pouvoir chez les marabouts, en mer et ainsi de suite. Vous les connaissez? Oui. On en a même deux, il y a un qui s'appelle même Char d'Israël. Char d'Israël, oui. Le chat qui avait porté Moïse, là, voilà. Élie là. Loup, c'est ce qu'on appelle.
prophète ou sachant d'Israël. Il y a un autre, bon, c'est un autre qui s'appelle, il y a un autre qui s'appelle le père de la ville, Afungouli. Le père de la ville. Le père de la ville. Il va pas aller à Nord. Il va pas aller à Nord, d'accord? Oui, allons d'ici. Attends, frère, on va aller à Nord. Parce que je sais que vous en avez marre avec eux là. Oui, 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 allons-y. Quand j'arrive, tu as mal au ventre. Oui. Il prend juste sa pochette. Oui. Il pose sur le ventre. Oui. Et voilà parfois une chair de viol qui sort sur ton ventre. Et puis le mal qui sort. Et vous êtes appuyé comment? Oui, oui. Oui. Moi j'avais suivi ça à la télé, c'était un témoignage. Mais donc en fait, après, c'est bon. Il y a mon oncle qui a emmené sa petite soeur là où je suis. Oui. Elle était vraiment prête à mourir. Parce qu'il priait d'abord là-bas. Oui. Il a appelé le pasteur, moi ici, ma soeur. Attends, attends, doucement, on va aller doucement. On fait confiance bien là, parce que c'est que vous avez trop à dire. Oui. Il lui a dit, viens alors avec ta soeur. Oui. Il a dit, bon, prenez 3 jours de jeûne. Oui. Ils ont pris 3 jours. Nous, on parle de qui là maintenant? De Afungouli, celui qui fait le père de la ville. Oui. Et donc, le troisième jour, mon oncle a dit, donc il y avait de la fumée noire. Oui. Qui sortait de notre temple là. De son corps. De son corps. Oui. Mais c'est comment, non? Il avait dit, on l'avait fusillé spirituellement. Donc, voilà, donc ça sort maintenant. Oui. Donc après, elle a transpiré et jusqu'aujourd'hui. Elle va bien. Elle va bien. Maintenant, lui, il a conçu, il a aussi les membres aussi. Qui? Le pasteur. Non, celui de la ville, vous appelez le chef de la ville. Le père de la ville, là. Il a beaucoup de membres aussi. Oui, oui, oui. Il a aussi la télévision. Non. Lui, il passe souvent à téléphone. Et il fait sa publicité là. Il fait des émissions, il suit. Il montre des témoignages. Il fait sortir les morceaux de sardines, les capas, les pigas. Ils sont les verres, les bouts de noix et tout ça. Il est présent. Oui, on le filme comme ça. Oui, frère, dis-nous, tu étais aussi parti. Moi, je voulais bien que lui, il explique avec notre même pasteur qui est là, tu nous l'as. Ok, on a remis, on a dit que toi, tu es le capitaine du groupe. Bon, on a. Ah, non. Il aime, hein? Oui. Voilà. Il aime bien, j'aimerais bien. Il a fait le travail. Vous parlez de qui au juste? Là, on parle de Francis Tinouna, le plus grand des pranamistes ici. Dans qui? Tinouna. Tinouna. Ah. Oui. Lui aussi, il revient de l'Ouzoulou, du gars. De la montagne, là. Voilà. Il a quitté Jérusalem pour venir dans la ville. Voilà. Ouais. Il a été là-bas quand il était tout petit. Hein. Oui. Il est né là-bas parce que son papa était le président adjoint, donc le représentant de ce Guillemine à Pointe-Noire. Oui. Le papa de ce pasteur. Là. Oui. Donc lui, c'est un branamiste, mais si je fais 2 heures de prédication, vous écoutez une écriture et le reste, frère Branham dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Et il dit, oui. Tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est terrible. Il est déjà encore sur prêche. Il a sa télévision. Oui, ah oui, il a sa télévision. Il s'est fait des chinois richissimes. Ouais. Il peut avoir même 5 voitures. Et là, il est sorti là-bas. Pourquoi? Il a déjà donné son histoire. Pourquoi il est sorti là-bas? Oh, il dit juste là-bas quand il était jeune. Il est sorti de là-bas. Il est parti dans le message. Oui. Il a été chez un monsieur qu'on appelle Nkondé. C'est lui qui fait apparaître le Saint-Esprit chez lui. Chaque parrain éclair. L'éclair, oui, c'est un connu. Et là, il appelle la petite Bethléem, son donc, quand on est à Jérusalem, il y a petite Bethléem, il y a le char. Vous êtes Israélien, vous êtes donc, à venir nous l'avons les 12 du Bible, nous allons sortir. Quand tu rentres, c'est lui, une grosse photo de Branham. Oui. Et une grosse photo de l'éclair. De le Jésus branhamiste. Oui. Que avait devenu Hoffman. Oui. Donc, lui, quand il prêche, il dit. L'ange commence à descendre. Un éclair comme ça, donc une lumière passe. Ça passe là, exactement. Ça passe. Attendez, c'est vrai que vous me dites ou bien non, c'est vrai. Toi également, tu as vu. Attendez, ça dit pas, il dit ça, l'éclair passe. Oui, il le fait, mais tu vas descendre. Si vous êtes attendu, tout allez sortir. Un éclair. Oui. Tu as assisté à ça. Et tu as eu peur. Moi. Oui. Frère, quand il fait ça, oui. Les gens quittent même le fond de la salle, ils enlèvent de l'eau. Quand vient le Seigneur, pointe, tu comprends que le gars il veut même monter. Oh, c'est pas la première fois là. Oui. C'est Condé. Oui. C'est Condé.
Oui. Non, non. Et celui dont vous dites qu'il est le plus grand dans les amis, il est aussi sorti. Non, lui, il est devenu grand. Lui, il est devenu grand. Là, là, c'est fort, je vais écouter la vie. Lui, il est devenu grand à cause de la télévision. Lui, par contre. Oui. Les mêmes disciples qui font une prédication. Oui. Les mêmes frères qui sont là-dedans. Oui. À la fin, la prédication est vendue à 2000 francs de CDI. Celui qui a la télé là. Oui. Il vend une prédication. Un macro. Un vrai macro. Il demande à tout le monde de cotiser pour qu'il lance la télé. Oui. Et une fois que la télé est opérationnelle, la télé est à son nom. Donc tout est à son nom. Oui. Dans le bénéfice, ne sont même pas divisés selon les deux, ceux qui sont dans le deux noms. Il rafle tout. Lui, il dit quand tu prêches, oui. C'est lui qui avait dit que quand un chrétien fait des habits, les anges fuient. Parce que les anges ont peur du sexe. Ouais. Et lui, dans les anges fuient, lui, c'est lui qui disait quand tu veux prier dans ta maison, il faut regarder à la direction où se trouve leur temple. Non, pas sur Salem, eux. Leur temple. Le il faut regarder la direction de leur temple. Pourquoi vous êtes passé? À l'image de Daniel qui regardait Jérusalem. Qui est le temple. Voilà. Donc ça, c'est leur. Lui-même, quand il prêche, il dit, quand je prêche, si quelqu'un est touché, si la parole te touche, faut pas pleurer là-bas, faut quitter là-bas, venir pleurer à l'hôtel là. Donc, c'est drôle, c'est l'hôtel de nos holocaustes ou des parfums, on ne sait jamais. Donc, ça dit que si vous prenez la prison, vous pleurez, prenez le taxi, venez pleurer à la radio. Non, ceux qui sont dans l'enceinte, oui. Faut venir. Mais puis, il a du monde. Il peut être même dans les 6 000 membres. Mais là, je pose la question. Celui de la montagne de Jérusalem a oui. Du monde, mmh. Extrêmement. Mmh. Celui des chars de Dieu a du monde. Mmh. Et tous sont démentés. Et celui dont tu parles oui. A du monde. Oui. Vous pensez que qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec les gens ici? Ah, mais c'est l'égarement à l'état pur, hein. C'est plutôt. Il n'y a rien. Bon, peut-être que je n'ai pas tout vu, hein. Oui. Mais j'ai quand même passé mon temps à sonder les pasteurs, à les écouter. Oui. Il y a rien. Je n'en connais même pas un. Si j'en connaissais un, je, entre guillemets, je communierais même avec lui. Je n'en connais même pas. Tous les dimanches, les gens font des campagnes, ils font des bulles. Les bulles, vous voulez dire, c'est pour rien. C'est pour rien. Des campagnes. Il y a aussi le gars là qui a planté son kit. Cartanou, le bourreur. Ils vont partir, apparemment, il est de chez vous ici. Il est congolais, au coin du noir, déjà même. C'est ça. Nous avons un ami récemment, nous télé, la ICCTV. Oui, ici. Une fois, on s'y avec madame, dernière, mon rôle, il y a prière en l'homme, mais il n'y a que deux mots qui sont faits. Choper au caractère. Il a plus deux heures, en fait, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est à prier, choper au. Moi, j'aime pas le temps. C'est votre frère. Il faut soutenir l'œuvre, non? Oh, c'est une œuvre diabolique. Vous voulez se soutenir l'œuvre, mon frère? Oui, celui qui n'est pas fréquent, on parlait de femme tout à l'heure, là. Lui, il revient de là. Il revient de chez Francis, là, voilà. Lui, il revient de là. Frère Junior, avec lui, j'ai souffert. Ma femme, elle me disait, arrête même de causer avec lui. Non, je témoigne, hein. Oui. Il dit, mais pourquoi tu réponds? Il pourrait te poser 10 fois la même question. Oui. Parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Mais quand il te regarde, déjà pour les gars avec tes 3 femmes, il dit donc, toi, tu penses que tu peux mieux voir que le Christ là. Qui a 6 000 membres alors que toi, tu es là avec. Oui, tu manges des trillons. Voilà. Il dit, oh. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quoi en parcourant l'illumination? On a aussi la dame là. Oui. Celle qui le ministère de l'aura. Celle qui envoie le feu. Là, moi, c'était pas la maman. Vous êtes deux personnes différentes. Vous êtes déjà dit qui? Non, non. Du ministère de maman Oulam. Bizarrement, de son ministère. Oui. Donc, ça nous est. Mais dans la même situation. Oui. Tuer, éliminer, brûler. Et quelle est l'explication dans les familles? Ah, mais ça a apporté beaucoup de divorces, oui. Beaucoup de séparations et beaucoup d'enfants abandonnés. Hein. Beaucoup de familles sont séparées parce qu'on se dit ta maman est sorcière, oui. Donc il ne faut pas produire. Chez eux, on ne côtoie pas le sorcier. Mm. Si c'est ton mari, il faut vous séparer. Ah, tu envoies le feu, les missiles. Ce que j'aime, c'est ceux qui imitent même les sons des missiles. Oui. J'envoie le missile, tchou, il fait donc boum. Et quand tu avais le micro là, ça tombe bien. Bien sûr. Le feu, fire. Et là, est-ce que ça tue les gens dont il parle? Mais puisqu'il les limite tous les jours, on a même cru qu'il devait déjà finir la planète, mais tout ce temps-là, il y a encore 7 milliards. Et là, il y a encore beaucoup de femmes. Ouais.
Ah, surtout les femmes. Et donc, les femmes vont tout nous tuer, n'est-ce pas? Et donc, un groupement qu'on appelle femmes pleureuses. Les femmes pleureuses. C'est pas que Dieu pleure, cherche les femmes pleureuses. Ouais. Comme la Jérémie. Leur ministère, c'est pleurer. Dès que ça rentre, elle pleure. Elle est fort, elle pleure. Ça devait être femme pleureuse. Donc, tous les soucis de l'église, entre guillemets, on dit que l'on veut la femme pleurer. Donner ça aux femmes pleureuses. Elles sont là que pour pleurer devant Dieu. Oh. Et vous, les femmes, là, vous riez pourquoi? Vous avez la pleurer là-bas? Aux larmes rouges. Vous avez la pleurer là-bas? Non. Pourquoi vous riez alors? Parce qu'il n'y a pas de femme. Et toi, là, toi, tu parlais de qui tout à l'heure aussi, comme toi. Celle-là, elle revenait de Brazzaville. Oui. Elle a fait son école écologique à Kinshasa. Elle allait hériter ça là-bas. Oui, donc en venant. Donc, on a tout commencé comme là. Oui. Après, non, il faut. Le Seigneur m'a donné la vision, il faut qu'on construise. Oui, oui. On a continué. Et là, il faut. Ah, mais j'étais encore là, non. On a continué. Et fallait, non, il faut à chacun, il faut parfois se laver avec le sel, le gros sel. Chaque fois. Oui, parfois quand tu, c'est mieux, elle disait souvent le matin ou le soir, quand tu sens qu'il y a quelque chose, ou tu as rêvé Marie de nuit, oui. tu payes le citron, oui. Et puis ensuite le gros sel. Donc le citron mélangé avec du sel, chaque de Marie de nuit. Oui, ça c'est comme... Donc il y avait des femmes parfois qui se lavaient parfois avec, on mélangeait avec l'huile d'olive. Donc mélange tout ça, c'est mélange la chasse, le mari des nuits. Oui. C'est ce qu'on lui a appris à l'école de théologie. Donc bon, ça c'est que pour sa grand-mère. Là, je vous pose une question. Tu étais là, et étant une intellectuelle, vous avez la Bible. Personne ne cherche à savoir si oui ou non dans la Bible, c'est une relation spéciale. Mais quelquefois, quand on vous dit dans ces gens, ces paroles-là qu'on a prises, on se dit tout ce qui sort de sa bouche. Et parole de Dieu. Oui, c'est une parole de Dieu, elle est très quoi. Parce que avant d'abord, quand il m'avait dit, elle m'avait dit non, il faut, moi je vois, il faut que tu sois à côté de moi. Je lui ai dit vraiment, c'est pas ce que. Bon, on était tous même... comme ça, on oui. était tous comme ça. Je lui ai dit vraiment, je ne suis pas convaincue de ça, donc je ne peux pas m'engager. Oui. Elle était fâchée, on était tous âgés pour prier. Elle m'a dit, toi, laisse-toi, tu ne peux pas prier avec nous. Tu te mets à côté. Je lui ai dit, bon, je m'en fous. Donc je me suis mis à côté, c'était à ma mère, oh non, avant qu'elle meure. Parce que elle aussi, on l'a emmenée. Elle était fâchée. Après, quand je suis allée à Raza, je suis revenue. Ma soeur a dit non, c'est souvent revenue, je suis revenue. Et voilà, vous voyez, moi, je peux le faire. Et puis, elle se tapait la poitrine. Maintenant, vers la fin, il y avait un frère qu'on avait reçu. On avait acheté sa parcelle. Et il a donné la dîme de 800 000. Oui. Alors, il s'avère qu'on avait des toilettes, qu'on demandait à chaque fois de l'argent pour finir. Oui. Quand elle a reçu ça, elle a effectué le voyage au Cameroun pour aller, parce que souvent elle va pour payer des choses pour venir vendre. Vendre. Elle fait le commerce. Oui. Elle a dit que les 800 000 avaient multiplié ça. Donc même le noyau. Oui. Là, jusque j'en dis ça, parce que elle avait fait avec. Donc elle a utilisé sans rendre compte aux autres. Et les toilettes étaient toujours comme ça. Et puis on demandait toujours. Il y avait un frère qui avait dit non, moi ici je peux. C'est vrai, moi je ne connaissais pas ça. À mon retour, quand j'ai appris ça, c'est vrai, ça me dit, oh non, ça ne sert pas. Il faut que je cherche maintenant Dieu lui-même. C'est là où tu as commencé à chercher. Oui, voilà. Après là, je me suis retirée, je suis restée à la maison. Courage, d'accord. Mon cher, et toi, qu'est-ce que tu as envie au pasteur? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ne t'ont pas aussi trompé. Pardon? Ils ne t'ont pas aussi trompé. Oh. Allons-y. Après, tu vas voir tes frères, tes bâtons, ok, je vais faire comment pour garder Jésus. Tu vas voir tes bâtons, tes non, il n'y a que, on a déjà ouvert cette parenthèse avec le frère Terba quand il parlait de l'épanouiste là. Oui. Il t'a sucé le cerveau là-bas, t'as embrouillé. Oui, grandement, mais on ne pouvait pas en apercevoir tant que on n'avait pas encore la vérité selon Dieu. Oui. Frère, mon cher Vincent, frère, mais toi-même tu es pasteur. Le bon témoignage oui. vient de ma soeur. Là, oui. Non, on n'arrive pas. L'eau du Congo va comme ça. Le fleuve Congo va comme ça. Attends, je vais te lancer. Vincent. Il est timide, hein. Timide envers les hommes. Oui, comme le prêtre au séminaire. Timide envers les hommes. Bon, on va la faire. Elle est timide.
Oui, frère. J'ai la mort, non, oui. J'ai la mort d'abord avant de revenir chez moi. Oui. Elle, tu permets, hein? Ok. Elle, c'est le... Comment on appelle ça? Attends, je cherche le mot. Elle, c'est le dot. Oui. Elle, elle incarnait une divinité à elle seule. Mais... Je présente par elle. C'était une grande sorcière. Oui. Quand elle a su, bon, elle, elle priait dans un monde. Elle a été emmenée par son mari. Leur divinité ou leur grand maître, on s'appelait Ayyavada. Donc, elle, quand elle priait, on ici, alors. Au nom de, elle priait au nom d'Ayyavada. Oui. Donc, il y avait des... Ayyavada, ça veut dire quoi? Ah, c'est elle-même qui peut mieux expliquer ça. J'amorce juste. Peut-être un peu plus y penser. Il n'avait pas expliqué la suivante, son nom? Oui, avant dans la conversation. Oui. Et parmi quelques précurseurs, elle arrivait au moment où elle laissait son corps être utilisé par cette divinité. Être par notre sirène en nous, là, celle qui gère. Là, elle pouvait te prendre un whisky terrain comme ça. Et boire ta détente. Hein, maman? Et dès qu'elle prenait ça, oui. Elle était elle en une chose bizarre, en transe. J'ai jamais demandé comment est-ce qu'elle a fait pour partir et tant procéder à ce point-là, mais elle était devenue une grande parmi les... Non, j'arrive là, mais j'arrive, je vais lui poser la question, j'arrive seulement. On interroge qui... Vous savez, quand il s'agit de l'interrogation, celle-ci, elle devient niette. je peux l'interroger. Il n'y a pas de problème. Ça va? Comment tu te sens depuis que je suis ici? Depuis que tu as entendu ma voix, comment tu te sens? Dis-nous comment ça s'est passé alors, c'est que l'événement, à moins si tu ne veux pas raconter. Quoi, l'événement dont il, le frère Teba nous a parlé. C'est un mauvais souvenir pour toi. Hein? Non, j'ai pas fait un petit déchet, non, parce que je suis un peu dans l'église là-bas, j'ai traité des gens traditionnels. Ça c'est intéressant. Recule-toi, viens. Il y a un portable ici. Attention au portable. Recule bien, viens à côté de moi. Frère, toi, parce que tu as sommeil, tu as dormi là-bas. Viens. Voilà. À cette heure. Voilà. Sens-toi à l'aise, d'accord? Tu vas te mettre contre. Non, ça va éduquer beaucoup de gens déjà. Je dis, c'est pour. Tu étais thérapeute à l'église. Mm-hmm. Quelle église déjà? Fraternité. Mm-hmm. Mais c'est fondé par qui? Ça, c'est un chrétien aussi toujours, ou bien c'est notre groupe? Non, en fait, c'est une association. Ils sont comme des mouvements. C'est notre volet, notre façon. C'est comme le Misa et comme groupement des églises d'organisation. Donc c'est interdénominationnel. Ouais. Donc ils sont dans les dénominations de dimanche, là ils se regroupent, ouais. Chacun sa croyance, mais il y a la croyance principale. Mm-hmm. Mm. Et les parents et les juridiques étaient les dans les villes de mariage pratiques. On faisait des déplacements dans les villages, ils partaient dans les grottes, avec des prières, des religions, des choses. Dis-nous comment tu es devenu donc. Une thérapeute de l'église. Oui, parce que, bon, j'avais des dons spirituels avant que j'arrive là-bas, parce que j'ai quitté chez le protestant. Oui. Lorsque j'ai rencontré mon ami, c'est lui qui m'a emmené là-bas, j'avais déjà mes dons spirituels là-bas. Oui. Je suis arrivée une année, deux ans après. Ça m'intéressait quand je voyais les ordres. Oui. J'essaie de rentrer que j'ai maintenant ce que j'ai envie de rester là, venir souvent prier le dimanche. Donc dans ce groupe-là, il y avait différents ordres. Quels sont les différents échelons dont il était question? Je ne sais pas. Mmh. Mais moi, je m'étais focalisé sur la thérapie. Oui. Bon, qui initiait le domaine de la thérapie? Qui initiait ça là-bas? Qui conduisait? Il y avait des grands qui étaient là. Ou bien qui, oui, comment ils le faisaient? Ils le faisaient comment? Comment ils ont fait pour t'inculquer l'initiation à la thérapie? C'était comment? On venait juste les mardis, on s'assoit, on fait un cercle, on prie, on chante, on invoque. On invoque qui? Je sais pas, il y avait des... Des noms qu'on donnait là. Suis attentivement la question. Vous invoquez, là nous prions, nous invoquons le nom du Seigneur Jésus. Dans ce cercle-là, vous invoquez qui? Voilà, d'accord. On commence d'abord par Jésus-Christ.
Après, on appelait les anciens, et ils disaient les anciens, là-bas on appelle ça les entités. Oui. Il y avait beaucoup de noms qu'on avait donné là-bas. Pour les entités, oui, chaque personne, après chaque personne. Oui. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on appelait? Et que les gens rentrent en transe. Il y a des gens qui rentrent en transe, après ils commencent à parler. Et cette divinité-là commence à parler dans les corps. Ils donnent des instructions. Les instructions par rapport au cas de maladie qu'on avait dans. Ils donnent les directives. Oui, les directives, ce cas, fait ceci, fait ceci. Voilà, maintenant laissons ceux-là parce qu'ils ne sont pas devant nous. Mm-hmm. Restons sur toi, focalisons-nous sur toi. Mm-hmm. Quand toi tu priais, qui te saisissait? Moi. Mm. Je sais pas. Quand la personne parlait, ça ta voix changeait, n'est-ce pas? Toi, disons, c'est quoi, mais dis-moi, mais moi, je. Alors, toi, tu n'étais pas au courant. Donc, quand il utilisait ton corps, toi, tu ne savais pas. Explique-nous comment ça se passait. Et tu étais content. Après, quand tu reviens à ton nom, tu expliquais cela que tu es une grande femme. Tu es une grande gangan. Ça te faisait comment? Mais ça, je fais un Moi, je me disais que c'est de cette manière-là que Dieu m'utilisait là-bas, parce que moi, je partais seulement pour prier. Donc, dans la concept, c'est que tout le monde savait que Dieu comprit là-bas. Pas de ça. Mmh. Donc, tout le monde savait que c'était Dieu comprit là-bas. Il y a tout le monde qui y va là-bas. Mais là-bas, on ne peut pas trop. Ils ne sont pas focalisés sur la vie. Eux, c'est plus le truc traditionnel. Mmh. Et c'est plus là-bas, c'est thématique. Et les autres, mais qu'est-ce que tu as? Quand tu as dit que tu étais protestant? Et les protestants ont en principe la Bible. Comment tu dis les protestants à ce style de groupe-là? Ton ami. Donc ton ami avec qui tu goûtais un peu dans le péché de temps en temps. C'est, non, ne riez pas, ils sont des protestants, donc vous comprenez quelque chose. C'est ça? Donc, malgré que tu étais avec ton ami, que vous allez pêcher souvent dans la chambre, souvent, tu avais des dons spirituels, tu dis-tu. Tu avais ton don spirituel, vous partez pêcher un peu dans une chambre noire. Tu sens que ce don spirituel, tu peux avoir les ngunda. Oui. On va finir, on va revenir sur le don spirituel, d'accord? Et comment la sirène est venue? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme j'ai dit, lorsqu'on priait, on invoquait, après, les esprits ont entré les corps. Après, on travaillait souvent, je ne sais pas comment ça se passe. Ok, maintenant, et comment tu es sorti de là? Moi? Oui. C'est juste lorsqu'on a eu la séparation, après tout d'un coup, je suis plus reparti. Tu n'es plus parti là-bas. Il te faut la délivrance. Non, je suis déjà délivrée. Bon, je recommence encore. Comment tu as été délivrée? C'est la question que je voulais poser. Hmm? Moi? C'était? Oui. Parce que Dieu m'a dit que tu es délivrée. J'ai prié. Il t'a dit ça? Dieu t'a dit que tu es délivrée. Oui. Il t'a délivrée comment? Pardon? Il t'a délivrée comment? Mais comment délivre les personnes? Non, c'est pour ça que je veux savoir. À moins que peut-être vous voulez aussi. Je suis redevenu chrétien, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à éviter tout ce qui n'était pas en accord avec. Maintenant, Dieu t'a dit maintenant que ma fille, j'étais délivrée. Oui, parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des messages, j'ai eu beaucoup de choses. Mmh. Frère, mais quoi que tu vas m'aider à poser cette question, c'est autrement. Ouais. Pose la question autrement. C'est la même question que je posais là autrement. Okay. Parce que c'est que tu es trop fort. Quand tu étais plus à l'infolique, non? Uh-huh. Ok. Tu passes plus là-bas. Tu es reparti en parenthèse dans ton protestantisme. Hein? Tu es reparti plus là. Mm-hmm. Quand tu as fait votre mission plus d'accord? L'église de Vendée. L'église de Vendée. Et puis là, prière, elle est douée avec ses. Mm-hmm. Non, elle arrive. Voilà. Mm-hmm. Donc, quand elle écrit, elle est partie voir ce qu'elle fait. Elle dit, non, Dieu m'a dit que tu as délivré, il faut demander pardon, tu as laissé ce monde-là et tout ça, donc tu es délivré. Elle n'est pas passée par une séance ou... Non, je suis partie par un pasteur. Pose-lui la question du monde. Comment elle a été délivrée autrement? Ok. Comment les histoires que tu avais là sont sorties? Comment les esprits que tu contactais ou qui te contactaient t'ont laissé? Moi, je ne sais pas. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Je suis allée voir mon pasteur, d'où j'ai dit ce que j'ai eu à faire. On a prié pour moi, c'est tout juste qu'aujourd'hui je mets le pied là-bas. Les esprits sont sortis là-bas. Quels esprits? Les esprits qui te contactaient, on les a bloqués là-bas. Moi je n'avais pas des esprits qui me contactaient. En fait, je ne comprenais pas. Oui. Lorsqu'on priait. Je ne me comprends pas, suis attentivement. Moi, lorsque l'esprit entre dans un corps et qu'il sort, quand tu restes en séance, vous restez en transe, vous entrez en transe avant qu'il parle, non? N'est-ce pas? Il dit que quand les gens prient, à un moment donné, l'esprit entre dans un corps, la personne commence à parler, pas vrai? Mm-hmm. C'est ça, non? Mm-hmm. À quel moment l'esprit parle? Il part où? Vous appelez ce qu'on appelle en anglais channeling? Je sais pas.
Regardez le fil, le bout du Coran ici. Comme c'est comme ça, ça passe dans le mur. C'est connecté à un courant source. Ça suppose que si le courant là-bas est allumé, vous mettez le texte ici, ça va donner. D'accord? C'est quand le courant là est là. Tant que c'est comme ça, c'est connecté là-bas, il y aura toujours le fil, malgré que ce soit inerte. Malgré que ce soit stable là. Mais si on approche chaque fois le texte, on met là, ça va donner. On approche chaque fois le texte, on met là, ça va donner parce que c'est connecté à la source. C'est la source que je vais demander, est-ce que ça a été déconnecté de là pour enlever? Ok, on continue. Je reviens maintenant sur les dons spirituels. Comment les dons spirituels sont venus, ma chère? Comment les dons spirituels sont venus? Les dons, parce que tu as dit, tu avais les dons spirituels d'abord, avant que tu aies passé, avant que ton gars dit qu'allons explorer d'autres terrains dans le territoire là, chez, là-bas à Azusa. Après le baptême, une fois que je suis allée au témoignage, à partir de là que j'ai tout. J'ai eu des visions, j'ai eu des dons de cri, j'ai eu des dons de prophétie. Tout ça, oui. Voilà. Et donc, le pasteur qui vous a amené au pèlerinage, ça va être là. Qui ça? C'est un homme qui commence la chorale, on dit juste parce qu'on fait des chants, on dit parce que Où ça? Le pasteur qui a prié pour toi, là, c'est un pasteur de l'EFC aussi, l'église évangélique. Ah, d'accord. Merci, ma chère, merci. Que Dieu te bénisse, d'accord? Amen. Le matin, 6h, j'ai à l'aéroport. Chacun portera son lot. Recule toi, viens ici. Tu vas nous dire pourquoi on a prié aujourd'hui. Non, c'est bon. Tu avais quelque chose à ajouter? Non. Pourquoi tu buvais le whisky? Il a dit que quand tu buvais, tu pouvais boire le whisky. Ah, parce que la tradition de là-bas, c'était comme ça. On travaillait avec le vin, avec la personne. Eux disaient que ce sont les esprits là qui ont besoin de ça. Donc, quand les esprits ont besoin de toi, ils disent, ah, donne-moi le whisky. Quand tu me donnes un peu le whisky là, je vais vous donner. Et quand tu buvais là, et à ta tête, tu buvais tout ce whisky là, tu ne sentais pas. Rien. Et quand ce casque là partait, tes yeux ne tournaient pas comme ça, comme pour. Mais dans un temps normal, tu ne sifflais même pas trois bouteilles quand tu es normal au moins. dans les normes, est-ce que tu ne partais pas, tu n'as pas levé les foudres comme ça trois fois? Ça veut dire que c'est fort, hein? Tu t'amuses avec un testicule 6 bouteilles. Vous savez ça? Elle ne les blague pas. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais, donc. Bon, que Dieu te bénisse, d'accord? Mais de toute façon, je suis le frère junior de toi là au Cameroun. Le Cameroun n'est pas loin d'ici. Bon, j'ai dit quelque chose qui te concerne, ça va. Qui va parler? Ben, ça dit qu'il parle pas une obsession. Après, elle vient marier quand même. Elle était aussi. Non, elle est fatiguée. Pour une première fois, il veut faire ça, il veut que tu vois ce qui est arrivé. Tu es prêt? Ok, bon, arrêtons. Bonne soirée. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais tu parles, non? Oui. Pourquoi tu veux dormir maintenant? Non, je ne veux pas dormir. Il faut que je fasse prier. Je vais d'abord prier pour vous. Ok. Tu parles quand tu m'avais dit que tu attendais de l'ordre en disant que je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème. Après, je vais prier pour vous. Mm-hmm. D'accord. Demande de vous. Toi, ta soeur, ta signe, il faut que l'enfant soit dérangé. Ah, je vais voir ça là. Tu vas voir ça où? Moi, je vais chanter, d'accord? Ton nom est la solution. Jésus. Vous connaissez ce nom, n'est-ce pas? Oui. Je t'aime. Ton nom est? La solution à quoi? Ton nom est la solution. Jésus.
Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus, ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus, ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire, ton nom nous donne la victoire, Jésus, ton nom nous donne la victoire, ton nom nous donne la victoire, ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la puissance, Jésus. Ton nom nous donne la puissance, Jésus. Ton nom nous donne la puissance. Ton nom nous donne la puissance. Ton nom nous donne la puissance. Jésus, oh, 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 ton nom nous donne la puissance, ton nom nous donne la puissance, ton nom nous donne la puissance, Jésus. Amen. Tends ta main gauche, arrête ton épaule, tends ta main gauche, arrête ton épaule, tends ta main gauche, arrête ton épaule, tends ta main gauche, arrête ton épaule. Vous restez seulement tranquille, moi je vais prier, d'accord? Restez juste calme, je vais prier, moi je vais prier. Seigneur, en ton nom puissant, en ton nom glorieux, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui pour toujours. Seigneur, par ta puissance et par ton nom, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute puissance qui est dans ses enfants, qui ne se glorifie pas, qu'il sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, je te lance le défi, tu lâches tes fils maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restez vraiment tranquille. Il y a quelqu'un qui cache en vous des deux de façon maintenant et va se montrer. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Toi puissant des ténèbres. Je t'ordonne au nom de Jésus que c'est Nazareth. Quitte ses enfants maintenant. Sortez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta place n'est pas dans leur vie. Ces enfants ne t'appartiennent plus. Ils n'ont pas toi décidé. Avec toi. Tu ne dois plus collaborer avec eux. Parce qu'ils sont sous le sang du Seigneur Jésus. Maintenant, quitte leur présence maintenant et quitte dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres. C'est à toi que je m'adresse. Je t'ordonne de quitter maintenant. Père, merci au Dieu. Merci pour ton nom grand et glorieux. Merci Père pour ton nom grand et glorieux.
Merci parce que, oh Dieu, par ton épée, ton Dieu est grand, et tu frappes le Léviathan. Merci Père parce que par ton Dieu est grand, et puis tu frappes le Léviathan. Le serpent fuyard. Le serpent fuyard. Celui qui se joue dans la mer. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, laissez tomber la main gauche. Restez tranquillement tranquille avec la main droite sur le ventre. Laissez enlever la main gauche. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Satan, je te défie dans la vie des enfants du Seigneur. Tout ce qui est dans ton ventre, qui est contraire à ce que Dieu a voulu, maintenant quitte le ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, sors avec tes choses dans le ventre maintenant. Au nom de Jésus. Sors. Ces enfants ne t'appartiennent pas. Leur ventre, leur corps ne t'appartiennent pas. Toutes tes poisons que tu as mis dans leur entrailles, tout ce que tu as mis dans leur corps, c'est terminé. C'est terminé. Lâche-le et quitte l'âme de l'homme. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous ordonne de quitter. Je vous ordonne de quitter. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous ordonne de quitter. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, son ventre n'est pas ton boulevard. Son ventre n'est pas ton boulevard. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Et qu'elle soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus 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 de Nazareth. Tu ne peux pas te cacher dans son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas et tu ne dois pas te cacher dans son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre.
Et son âge, elle ne t'appartient plus. Aujourd'hui, c'est terminé. Et son âge. Qu'est-ce qu'ils sont vendus? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils sont vendus? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors de son ventre maintenant. Les poisons que tu as mis dans son ventre, sors de l'air maintenant. Tu ne dois plus la déranger. Tu ne dois plus aucunement la déranger. Tu ne dois plus aucunement la déranger. Elle servira le Seigneur pleinement et totalement, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et son ventre. Et son ventre. Sors. Sors. Lâche-la, quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche cette femme. Elle va servir le Seigneur, le Dieu vivant. Lâche cette femme. Lâche cette femme. Lâche cette femme. Lâche cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Lâche cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Quitte son ventre. Dans tout votre corps, vous ne pouvez pas, quel qu'en soit, vous ne pouvez pas vous rendre libre ici maintenant. Vous venez savoir que quelque chose se passe dans votre corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, on ne peut pas prier ce n'est pas comme on l'a dit. Avec votre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte cette femme. Quitte le ventre de cet homme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son ventre.
Vous n'êtes pas pressé, non? Quitte son âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pas le temple des démons. Pas le temple de Dieu. Sors de son ventre. Toutes les poisons, toutes les dents sont en dessous. Sors des poisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Madame, regarde-moi, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, regarde-moi. J'essaie au mieux de ce que je peux pour enlever le poison, d'accord? D'accord. S'il y a quelque chose, on le prend la terre. S'il y a quelque chose, on la terre. Il n'y a rien dedans. Il demande s'il y a quelque chose, on la terre, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ma soeur, tu vas toujours avoir passé ce jour ton mari, non? Tu vas venir, ça doit là. Il est déçu, il doit là, il doit là, il demande Dieu, il doit venir. Bien sûr. Tu vas venir à l'aéroport, il dépend là, on va manger. À la maison. Et on prie dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Quitte ton ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Quitte son ventre. Comme si il y a un peu de